titre. Front social au Mali, va-t-on vers une nouvelle agitation? Ensuite, vers interdiction des circulations entre 22h et 5h du matin à Ansongo. Et pour finir, enlèvement d'un véhicule sur l'axe Gori-Kouchala. Mesdames et messieurs, chers fidèles abonnés de Rota TV, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Comme annoncé dans les titres, plusieurs coopérations ont déposé des préavis de grève à ces derniers jours au Mali. Ces mouvements concernent différents secteurs, notamment la justice et l'éducation. La revendication commune de tous ces syndicats reste l'amélioration des conditions de vie des militants. Après les syndicats des enseignants signataires du 15 octobre, c'est celui des gréviers, secrétaires de grève et parquet, qui a aussi déposé un préavis de grève la semaine dernière. La coopération dénonce le non-respect des engagements du gouvernement. Par rapport à l'indemnité de judicature, il s'agit du montant que les magistrat perçoit pour la rédaction des décisions de justice. Les syndicats affirment que la grève prendra effet du 7 au 9 décembre prochain. En cas d'échec des négociations, le mouvement reprendra du 12 au 16 décembre prochain, souligne les syndicats. Ensuite, la société civile d'Asongo et les forces armées maliennes entendent organiser désormais des patrouilles aux alentours de la ville. La décision a été annoncée lors d'une rencontre organisée par les forces vives d'Asongo. Elle fait suite à la situation sécuritaire dans la zone. Les entrées de la ville seront fermées de 22h à 5h du matin. Nous allons finir ce flash d'information à Kouchala, où les véhicules pick-up appartenant à une société minière a été enlevé ce dimanche après-midi sur le tronçon Gori-Kouchala. Selon des sources locales, le véhicule était en partenance pour le Burkina Faso lorsqu'il a été intercepté par les hommes lourdement armés à quelques kilomètres de Gori. Après des interrogatoires, les occupants ont été dépouillés de leurs biens. Les mêmes sources indiquent que les enlèvements de véhicules et assassinats sont fréquents sur ce tronçon. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous à très bientôt. Inch'Allah, d'ici là, portez-vous bien. Qu'Allah bénisse les Mali.